Je vais devoir laisser mon beau desk pour une semaine, 2 semaines, pour une couple de jours. Je vais aller voir mes parents. Je vais aller revoir le Québec. On est parti. Puis quand on est parti, vous vous souvenez, le stock n'a pas rentré. Tout ce que j'avais prévu n'a pas rentré. Il a fallu faire des choix déchirants. Puis Des, ben, il va venir le chercher quand ça sera prêt, là. C'est ça que je voulais vous annoncer. Quand je suis partie avec Des, il y a plusieurs mois, j'ai laissé mes parents. Je leur ai dit bye, puis on est parti. J'ai pris la décision de revenir au Québec pour un petit bout, vraiment pas long. Je reviens tout seul, voilier. Comme ça, Des va rester sur le voilier pour quelques jours, peut-être une semaine et demie. Mon billet d'avion est acheté, puis ben c'est ça. Je m'en vais. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Je vais aller voir mes parents. Ma maman est déjà au courant. Alors, de me voir. C'est sûr, hein? Les filles, on s'ennuie toujours de nos parents. Mais en tout cas, pas toujours, mais souvent. Puis moi, ben, j'ai la chance d'avoir des excellents parents. Donc, c'est sûr que... Fait que c'est ça! Fait que je vais devoir laisser mon beau desk. Puis, ben, je vais aller revoir le Québec! J'ai très, très hâte. Mais faut dire que je suis très heureuse ici, pareil. J'aime ça voyager. Je me sens privilégiée. Je me sens chanceuse. Puis en même temps, ben je voulais vous dire quelque chose. On est parti. Puis quand on est parti, vous vous souvenez, le stock n'a pas rentré. Tout ce que j'avais prévu n'a pas rentré. Il a fallu faire des choix déchirants. Des, lui, ben vous savez pas quelque chose que je vais vous apprendre. C'est que Des, ben, il avait laissé sa valise au Québec. Ouais, il a fait ça. Moi, là, il est tellement fin. Il m'a laissé la chance d'avoir 4 valises. J'ai emmené 4 valises de vêtements. Puis, ben, je le savais pas. Je sais même pas si lui-même, il le savait. Il avait emmené un sac à dos avec le minimum du minimum, là, comme 2 chandails, 2 shorts. Puis, ben, on s'est rendu en Floride sur le voilier qu'il y avait pas d'autre linge. Il y avait pas de vêtements. Fait que sa valise principale de vêtements, ben, a resté au Québec. Fait que quand je vais y aller, je vais ramener plein de choses. Puis en même temps, yeah! Je vais ramener les outils, tous les outils qu'il avait mis de côté dans un gros bac. Je vais pouvoir ramener des outils qu'il avait vraiment ciblés puis qu'il savait qu'on aurait besoin. On s'est débrouillé, on a racheté plein de choses. Mais c'est ça. Fait que je vais aller chercher les vêtements à Des. Mais c'est sûr et certain que je reviens. Je reste pas au Québec, là. Je reviens. Je vais revenir voir mon chum, puis il va venir me chercher. Puis, ben, il faut qu'il vienne chercher aussi tout le déménagement, le stock que je vais aller préparer. On est en route vers l'aéroport. Ouais, comme je l'avais dit, je m'en vais au Québec. On va faire une surprise à mes parents. Pendant ce temps-là, ben, je vous laisse avec Des. Ça sent bien! C'est ça. Ça, c'est mon avion. Ben, c'est pas mon avion, là, mais je vais l'emprunter pour quelques heures. C'est cet avion-là qui va faire que je vais faire une grosse surprise à mes parents. Pensez-vous qu'ils vont être contents de me voir? C'est parti! Ça y est! Papa et maman, j'arrive bientôt! Ça va vous faire toute une surprise, hein, de voir que j'arrive! Vous savez, mais je vous ai pas dit la date exacte. Bon vol! Georges Vanier.
c'est vraiment étrange. Ok, il y a un salon de coiffeur dans un salon. Aïe, aïe, aïe. Puis c'est 1$ la minute pour faire couper les cheveux. Qu'est-ce que c'est ça? Salut! Ben, je suis enfin arrivée. Puis je veux juste vous dire que je suis vraiment comme énervée parce que ma mère, elle sait pas, mon père non plus. Ils savent que je m'en viens bientôt, mais ils n'ont aucune idée de savoir quand est-ce que je m'en viens. C'est ce soir. Il est super tard! Il est 1h du matin presque! Là, je sais pas comment c'est sûr que ma mère, elle doit dormir. Elle sait que je m'en viens bientôt, mais elle a aucune idée. Je veux pas juste cogner parce que je veux pas qu'ils aient peur d'ennui, là, quelqu'un qui cogne à la porte. Je vais probablement les appeler puis leur demander qu'ils m'ouvrent la porte. Ça se peut qu'elle soit en jaquette aussi, hein, je vous le dis, là. Je vais aller voir. Elle va être vraiment contente, en tout cas. Vous me voyez plus, là, parce qu'il fait noir, il est 1h du matin. Je suis arrivée. Bon, qu'est-ce que ça goûte la quelampaille? C'est bien bon. C'est bon? C'est sucré pas mal. C'est pas mal sucré? Ouais. Ouais, mais j'ai peut-être du citron. Ben, je sais pas, quelime. Une lime. C'est pas du citron, c'est de la lime. Ah, ben oui, c'est vrai, oui. Monique est en train de faire son grand drap de son lit. On est en train de. Son lit de bateau. On est en train de faire chez ma mère. Un drap de V-Burt. Ben, j'en avais juste un. Puis c'est vraiment compliqué parce que c'est un lit en triangle. Fait que c'est ça. J'ai acheté un drap usagé, un ensemble de draps usagés que je trouvais comme pas trop cher. Je l'ai emmené. Puis on est en train de tout enlever l'élastique, de tout arranger pour faire un rechange quand je fais du lavage. Fait que c'est une pas pire job. Je me lancerai pas dans cette confection-là. Non. Tu me vois-tu, là? Oui, oui, je te vois. OK, c'est bon. Puis, c'est maman caméraman. Oui, maman caméraman, oui. Maman caméraman. J'ai mis une retombée de 13 pouces pour l'élastique. Puis j'ai mis des chaises. Pour moi, qu'il y en aurait un petit peu plus, pas grave, parce que ça va aller en dessous de ton lit. Non, c'est en ça. En dessous de ton drap. Non, ça, c'est... Ah, il reste celui-là, ici, là. J'aurais pas pu faire ça sur le bateau. C'est ça, j'ai pas assez de place. Ben pour ça, il aurait plus j'aille à l'atelier. C'est ça qui est ça. Fait que le reste est coupé. Il nous reste à couper ça. OK. Ouh, les ciseaux sont où? Ah, ils sont tous là. Ah, c'est ça. Non, toi, t'es caméraman. Toi, tu fais rien d'autre que filmer. Ah, bon, OK. Qu'est-ce qu'on fait chez maman? C'est ça qu'on fait. On fait de la couture. Comme Des dit, tolololong! Fini! Notre jour, ça passe super vite. J'ai déjà fini ma petite visite. Je vais m'ennuyer, c'est sûr. Mais je le sais que c'est pas pour toujours, je le sais que je vais revenir, fait que j'adore mes parents. Ça a été vraiment rapide, on a fait plein de choses. Je suis allée chercher les boîtes de déménagement où est entreposé. Puis ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va? On lui donne un gros bec. On lui dit qu'on va revenir. Ah!
C'est pas mal moins triste que la dernière fois. Hein? Ouais, je sais. Es-tu triste? Oh non! Mais non! Mais non! Mais pas ça! Regarde, t'es toute belle! Mais oui, mais... T'en vas pour un autre temps. Mais oui! Mais va revenir! Ben ouais. Pleure pas, là! Connais le chemin, là! Pleure pas! Regarde, là! Pour mon mère! Oh, je t'aime! Ouais. Oh. Vas-tu pleurer, toi aussi? Je t'aime beaucoup, beaucoup, mon petit frère. Pense à toi. Je vous appelle tout le temps. C'est pas comme si je vous appelais pas. Prise 2. Hein? Bye. Ouais. Je t'aime. Je t'aime. Hey, je m'appelle Christophe Colomb. Bye. Oh my god, c'est là-bas aussi, là! Oh, c'est comme un vieux. Ça y est, on repart voir le chum, on se réveille. C'est reparti. Un petit trail encore. C'est ça, l'aéroport de Fort Lauderdale. Ça bouge là, mais j'attends mon chum parce qu'il est à 20 minutes, il s'était parké ailleurs pour être sûr de pas avoir l'étiquette à attendre. Fait que... Dis bonjour. Allô! J'ai-tu le droit là, de respirer? Ah, mon sac était pesant! Pesant de tonne! Hey, y a-tu du stock à sortir? On vient d'arriver en Floride, puis là, on est en train de débarquer notre stock. Y a du stock, y a du stock, on va être pogné jusqu'aux oreilles là-dessus. C'est ça, on a fait le chemin. Puis ça, c'était tout le stock. Quand on est parti au mois de juin, qu'on n'avait pas pu apporter. Fait que là, on l'a apporté. Hein? Fait que, ben, il va rester à trouver des places pour tout ça. Fait que Dess, il fait un bon travail. Il en a-tu des affaires? C'est plein. Puis en plus, là, toutes ces boîtes-là, il va falloir que ça s'en vienne ici, là. Ben, il fallait bien le faire un jour, hein? T'as pas pu tout laisser ça là-bas? Il fallait bien qu'à un moment donné, on aille chercher nos affaires. Fait que c'est fait! Là, on est en Virginie. On a le trailer en arrière, plein de stocks, plein de boîtes de déménagement. On approche la Floride, parce qu'on s'en vient vers la Floride, puis l'auto Adès, ça fait un méchant bruit. On entend le bruit qui fait super bien, hein? C'est bon. Et là, encore qu'on s'en juste un matin, on a changé de marina. Parce que vous vous souvenez, quand on a eu la journée des catastrophes, on avait abîmé un panneau solaire, mais pas qu'à peu près. Qu'on change drette là, les panneaux solaires, puis on enlève les mauvais souvenirs puis les mauvaises expériences pour recommencer à neuf. Je suis venue au Québec et j'ai vu mes amis, ma famille et mes parents et j'ai fait un gros plein d'amour. Fait que le moment est arrivé de leur dire au revoir. On a maintenant tout le nécessaire, les outils et tout ce dont on a besoin pour continuer nos projets. Qui était déjà en haut, c'est notre ancien panneau solaire. Et ça à côté, c'est le panneau solaire qu'on a accroché. Un gros merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Faire des vidéos pour YouTube, c'est devenu une grande passion. Puis j'ai l'impression que je vous emmène avec moi. N'hésitez pas à aimer, à partager,
à commenter et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos aventures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! C'était pas mal catastrophique notre affaire. On est parti, puis tout le... C'est ça que je voulais vous annoncer. Puis je vais prendre plein de vidéos, plein de photos. Ben, photos pour Instagram, puis vidéos pour vous autres. Parce que, ben, vous allez suivre l'histoire. Ben, là... Ça filme, là? Oui, ça filme. Là, tu m'en regardes. Regarde-moi ici. OK. OK, Matt, tu peux arrêter de filmer. Mais je ne sais pas comment. Appuie-tu le piton. Le piton du milieu? Le petit piton rouge, blanc. Mets pas tes doigts dedans, là. Et sinon, ça va être pas pire. Ça marche-tu toujours? Non, ouais. Je veux juste voir. Ah oh, oui, ça marche. Là, tu peux venir proche. Fait que je vous laisse.